Installé en face, de l'autre côté du golfe, Didier Lavergne ne se risque plus trop ailleurs. Sa vie aux quatre coins du monde, il l'a laissée derrière lui. Ou plutôt sur des photos qu'il a accepté de commenter pour nous, avec ou sans filtre. Et bienvenue dans votre vie, Didier Lavergne. Oui, c'est... Alors ça, c'est mon père avec moi. Il revenait de la guerre, quoi. Il a été 2 ans militaire et ensuite 7 ans prisonnier. Donc il a rencontré ma mère grâce à un prisonnier qui était avec lui en Allemagne. Et ils se sont présentés, et voilà, ils se sont mariés. Et ça, c'est juste après la guerre, quoi. 47, hein. On est à Paris. On est à Paris. Vous allez grandir à Paris, hein ? Oui, oui. Ben, ils sont montés, lui, il est monté de la campagne. Là, je vois l'autre photo où c'est ma famille. Approchez-vous, Didier. D'où est issu mon père, que je vois au milieu, qui est en train de couper les cheveux à un oncle. Et là, il y a toute la famille. Et lui, il va faire son petit bonhomme de chemin, justement. Oui. Parce qu'il va être coiffeur dans le 16e arrondissement. Oui. Spécialisé dans la coupe en brosse, je crois, c'est ça ? Entre autres, mais surtout, c'est que à l'ancienne, il faisait aussi les barbes, ouais, avec le coupe-chou. Il est rentré à l'Assemblée nationale et il a eu la gérance du... Comment, du il était coiffeur à l'Assemblée nationale. Voilà, exactement. Voilà. Il a notamment coiffé les Bourbons. Il a coupé les cheveux, notamment du député Fillon tout jeune. Fillon tout jeune. Ouais. Il disait, moi je me rappelle de cette réflexion à la maison, il disait, celui-là sera président de la République. Il a failli avoir raison. Le papa, et puis venez, on va aller un petit peu plus loin. Alors là, c'est la maman. La maman avec moi et puis ma petite sœur. Là, on est à Paris, là ? Non, on est dans un square. Ah. On est dans un square, ils nous emmenaient à un square, et voilà, c'était la vie à l'ancienne à Paris, quoi. Parce que vous allez grandir dans le quartier juif de Paris, hein ? Total. Hein ? Oui, oui. Ouais. C'est une enfance comment ? Insouciante. Moi, je descendais à l'école, c'était les halles. Les types des halles, vous envoyez les fruits, les trucs comme ça. C'était une autre vie, quoi. C'était particulier, hein. Mmh. Et moi, tous mes potes d'école, moi, à chaque fois, j'étais interrogé parce que j'avais le seul nom à consonance française. Tous les autres, c'était Achour, Bensoussan, Zimmermann. C'était le quartier juif, ce qu'on appelle le sentier. Et vous, voilà. Tout jeune, vous avez quand même un petit peu la fibre artistique. Dites-moi si je me trompe. En tout cas, vous n'aimez pas trop l'école. Parce qu'on vous retrouve... Non. On vous retrouve là. Venez, Didier. On vous retrouve aux arts appliqués. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, j'ai passé un concours. Ouais. On était 40 reçus sur 500 inscrits. Et j'ai été reçu, quoi. Et vous allez tout apprendre, là, dessiner, tout, la sculpture... Tout. Hein, c'est tout, une formation fantastique. Tous les départements. C'est dans les grandes périodes de ma vie. J'aimais aller à l'école et travailler. J'avais des amis incroyables. On faisait... des études absolument fantastiques. On allait au Louvre. Le Louvre était fermé pour nous. Ah oui. Vous privatisiez le Louvre, vous. Effectivement. Ah, mais non, parce que pour les écoles d'art, les beaux-arts, les arts appliqués, on allait au Louvre, on s'installait, on dessinait devant les tableaux de maîtres, le Caravage, David, tous les grands classiques. Donc tout va bien, là. Là, votre jeunesse, c'est fantastique, sauf qu'il va y arriver un petit épisode. Et c'est là, venez, que ça se passe. Ouais. Alors ça, c'est... Ça, c'est incroyable que vous trouviez ça. Qu'est-ce qui va se passer, là ? Alors, j'ai ma petite amie qui habite rue de l'Harpe. Ouais. Et moi, je suis en Solex avec tous mes travaux à l'intérieur. On est en mai 68, quand même, hein ? On va signaler. Je ne sais pas que mai 68 existe. Moi, mon école est à la République et ma petite amie, c'est une rue parallèle au boulevard Saint-Michel. Et je vois l'autopompe arriver, je range mon scooter pour pas prendre d'eau parce que sinon ça me détruit tout.
Et je sais pas qu'il y a les CRS derrière, quoi. Et ils me massacrent. Ils me prennent mon identité. Je me retrouve chez... chez la mère de ma petite amie. Et elle me dit, on va porter plainte. Je dis, mais porter plainte contre qui? C'est la police qui vient de me faire ça. Parce que j'étais roué de coups. Et donc, bon, l'histoire se termine, hein, mais 68 se fait, c'est tout... Vous pensez vos plaies, ouais, etc. Va pas exagérer. mais c'est ce qui a été le phénomène déclencheur qui a fait que j'ai pas pu continuer les études. Eh oui, parce que du coup, vous étiez fiché, et on vous a même envoyé en redressement, non, je crois, non? Non, on m'a envoyé en régiment semi-disciplinaire à Rastatt, en Allemagne. Ouais. On a supprimé mes bourses. Donc, vous vous retrouvez sans rien, quoi, finalement. 18 mois, à l'époque, 18 mois. Et là, j'ai un coup de fil de mon école des arts appliqués, comme j'étais sorti dans les places d'honneur pour le dessin, la peinture, et que j'ai un œil pour les couleurs. Et le directeur des arts appliqués m'a dit, écoutez, il y a quelqu'un qui est venu demander quelqu'un, et votre... ayant... Bon, gentiment, il m'a dit, c'est ayant... Là. Ouais. Ayant votre talent... Venez, ouais. Voilà, ayant votre talent... Putain, c'est de Ruelle, voilà. Alors, c'est lui. Michel de Ruelle. Bon, moi, là, je suis là, évidemment. Parce que Michel de Ruelle, c'est pas n'importe qui, Michel de Ruelle, justement. Michel de Ruelle, à l'époque, là. Michel de Ruelle, c'est le maquilleur de toutes les stars de l'époque. Voilà. Et justement, vous allez vous spécialiser... Et on va voir dans quel domaine vous allez vous spécialiser. C'est pas là qu'on va en parler. Oui. On va en parler dans une autre pièce. Venez. Venez par ici. C'est incroyable. C'est incroyable. Attends, c'est d'émotion, ça. Putain. Ouf. Prenez place, Didier. Installez-vous confortablement. Oh, ben, je vais faire ça. Et donc, on vous retrouve où? Ah, ça... Alors, je suis assistant de Michel de Ruelle. C'est le gendarme en balade. Ah, bon, là, évidemment, la comparaison avec maintenant, je ne sais pas si on me reconnaît. Hein. On vous reconnaît. Oui, quand reconnaît, même. Ouais, ouais. Assistant maquilleur. Assistant maquilleur. Alors, je vais vous dire, il y a une petite anecdote, hein, quand même. Mon travail sur ce film, spécifiquement, c'est de faire les raccords de soutien-gorge et de slip pour les nudistes. C'est extraordinaire. Je trouve que le métier est formidable. Je suis sur la plage de Pamplonne, avec toutes les jolies filles, et je leur fais les raccords de soutien-gorge et de slip. Voilà, c'est mon... Je suis assistant de Michel de Ruelle. Et ça dure 3 mois à Saint-Tropez. Donc, c'est une très belle époque de ma vie. Ça va durer quelques semaines, hein, quelques oui. tournages simplement assistant. Très vite, vous allez devenir premier maquilleur. Oui. Hein, et puis, un jour, ben, on va vous demander de venir travailler. Alors là, on vous dit un non, c'est... Romy Schneider, c'est pas rien, c'est une énorme star à l'époque. Hein. Et on me dit, bah, tu vas maquiller Romy Schneider. Et c'est mon premier film en tant que maquilleur de star. Je suis pas chef. Je suis maquilleur personnel de Romy Schneider. Je ne m'occupe pas du tout des autres comédiens. Donc, et qu'est-ce qui se passe là? Parce que quand on maquille quelqu'un, on le touche. On n'est pas... Personne quand on est maquilleur d'une star, justement. Alors, on rentre vraiment dans son intimité, là. Voilà. Là, ça fait partie du métier. C'est-à-dire que on est intime et il faut qu'on plaise à tous les niveaux. Professionnellement, sûrement physiquement. Je ne sais pas si beaucoup de maquilleurs sont permis de maquiller torse nu une star. Bon, il y a d'autres photos où c'est encore pire. J'avais pas cette conscience-là. Ben celle-là, par exemple. Oui, mais moi... Oui. Oui. Mais moi, j'ai pas cette conscience-là. Je suis un artiste.
je n'ai pas conscience. Et c'est sûrement ce qui l'a fait marrer, parce que je n'ai pas de retenue. Je suis cash. Il y a quoi ? Il y a une espèce de coup de foudre un peu professionnel et amical avec Romy ? Oui. Ouais, 10 films ensemble, exclusivement pour elle. Parce que Romy Schneider prenait, vous vampirisait, quoi. Elle voulait que vous soyez avec elle, quoi. Ouais. Alors pourquoi ça s'arrête au bout de 10 films ? Joker. J'ai été malheureux, comme elle, elle a été malheureuse. Mais Joker, voilà. Alors, on va passer à cette photo. Alors, ça, c'est... la première fois que je travaille sur un film français, un américain, en France, voilà. Mais américain. C'est le premier film de Roman Polanski, tourné en France. Le Locataire. Le Locataire. Il était accro à la couleur du sang, qu'il trouvait toujours faux, et m'a dit, on va faire des essais de sang. Et j'ai dit, moi, le sang, je le fais moi-même, je ne l'achète pas. Ah bon ? Et il me dit, mais c'est toujours faux. Et je dis, bon, bah, écoutez, on fera des essais. Et j'ai fait le sang, et on a fait ces essais, et je me suis coupé le doigt d'un côté, j'ai mis mon sang de l'autre. Et je lui ai fait choisir. Vrai sang, faux sang. Ouais. Il a choisi le mien. Donc vous étiez engagé. Engagé. Il y en a du sang. Excellent. Et là, pareil, parce que à chaque fois, il y a une histoire derrière. Et avec Roman Polanski, là aussi, il y a une vraie histoire avec Roman. Ah non, mais c'est amitié, c'est je l'admire, c'est le respect. Voilà. C'est... Et justement, Didier. Il y a quelques semaines, il a eu un César, Roman Polanski. Que dire là-dessus ? Est-ce qu'il faut séparer ? C'est votre ami, qu'est-ce que vous en pensez de ça d'ailleurs ? Tiens. C'est mon ami. Je ne l'ai jamais vu, pendant toute ma carrière, avoir un geste ou une parole déplacée vis-à-vis d'une actrice, d'une fille sur le plateau, etc. Jamais. S'il y a eu des plaintes, c'est que ça a sûrement existé. Je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais été témoin. D'accord. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a peut-être une part de déni, je ne sais pas. Mais vous voyez, j'ai utilisé un joker. Pour Roman, je n'utiliserai pas de joker. Et il n'a pas perdu mon amitié et mon respect. Cette photo à présent. Alors vous êtes tout en haut, vous. Hein ? Ouais. Mais là, c'est Michel, c'est Gérard, c'est... Alors, lui, vous faites sa connaissance, non pas sur ce film-là, ça c'est l'inspecteur de bavure, mais sur l'Alsace et la Lorraine. Moi, je connaissais toute l'équipe du Splendid, sauf lui. J'avais travaillé avec tous, sauf lui. Mais lui, il avait l'oreille. Hein. Fine, il voulait travailler avec... et il travaillait avec mon coiffeur, Ludovic Paris, qui travaillait sur les Polanski, et voilà. Et lui m'a convoqué en me disant, écoutez, si vous êtes d'accord, j'aimerais travailler avec vous. Il n'y a qu'une personne qui passera devant moi, c'est Polanski. Et le reste du temps, vous serez avec moi. J'ai dit, bon, ok, je suis d'accord, voyons. On va voir ce que ça va avoir. On va voir ce que ça va donner. Quoi. C'est tout. Il se passe quelque chose avec Coluche. Ça va au-delà du professionnel, au-delà de l'amitié, même presque, non ? Ah ben, on vit ensemble. Ah oui ? On vit ensemble. Mais c'est souvent avec certains acteurs, c'est ce qui arrive. Parce qu'on rentre dans cette intimité, ça va plus loin que l'amitié, quoi. C'est fusionnel. Ouais.
Moi, Michel, quand j'allais pas manger un soir chez lui, il me téléphonait, il me faisait, mais faut que je t'envoie un carton pour que tu viennes manger. Je dis, mais attends, il y a qu'hier soir que je suis pas venu. Parce que j'avais un truc à faire. Là, vous êtes dans la famille. On est là tout le temps, quoi. Et vous êtes même à ce moment-là? Ouais, alors là, bah, toujours les mêmes. Hein. Ludovic Paris, moi, on est trois. Les trois de base. Et il y a l'accident avec la moto. Ça, c'est le pire moment de ma vie, quoi. Là, c'est pas possible, quoi. On peut pas imaginer qu'on sorte de la plage et qu'une demi-heure après, on vous dit c'est fini, quoi. Parce que quand il y a l'accident de moto, en plus, il n'est pas mort directement, Coluche. Donc, il va vous parler un petit peu. Non, c'est pas ça. En fait, il est sur sa moto encore, à l'envers. Hein, il a la jambe complètement là. Et en fait, je vois, dans la position où il est, je vois la jugulaire battre. Et je lui parle, forcément, parce que je lui dis, t'inquiète pas, le bon Ludovic est parti chez des gens qui ont une pépinière à côté, parce qu'il n'y a pas de portable, là. Hein. Et bon, il est en train de demander un hélico, tout ça, mais il faut l'autorisation des capitaines des pompiers pour avoir un hélico. Bon, c'est très compliqué. Mais vous voyez, la photo, quand même, on le voit. Hein. Il n'y a personne. Comment ça se fait, il n'y a personne? Alors moi, j'ai cru à l'accident pendant longtemps. Mais après, j'ai eu beaucoup de questionnements autour de ça. Je n'ai jamais été dans les télévisions pour parler de ça, parce qu'à chaque fois, il y en a un qui est dans la théorie du complot, etc., et qui vous casse, et je n'ai pas envie d'en parler. Mais j'ai énormément de questionnements à propos de cet accident. Il n'y a personne, hein. Et nous, on attend les secours, et la route est bloquée, est déjà barrée. Le reste, vous lirez le livre. Hein. Je ne veux pas en reparler. Ça me pose un vrai problème existentiel. Alors, ce que je vous propose... La cassure vient de là. Pourquoi je pars? Oui, exactement. Ouais. Et vous partez pour où? Les États-Unis. Allez, c'est par là, les États-Unis. Venez avec moi. Parce que l'Amérique, justement, elle est derrière cet écran. Et l'Amérique, avant tout, dites-moi si je me trompe. Christophe Lambert. Alors, de nouveau, je suis maquilleur pour une star. Qui vous accapare, encore une fois? Parce que, justement, vous le suivez partout, hein, Christophe Lambert. Il vous impose sur chaque film qu'il fait, voilà, à Hollywood. Voilà. Concrètement, hein, ouais, c'est ça. Oui, oui. Et pendant que vous êtes là-bas, vous tournez bien sûr avec Christophe, donc vraie histoire d'amitié, là. Hein. Oui, oui. On amitié, est d'accord. Oui, oui, amitié. Rien de plus total à dire. Oui, non, total. Oui. Vous vivez même chez lui. Chez lui, j'habite chez lui. Parce que vous avez même des accidents de la vie, entre oui, guillemets, voilà, et voilà, vous vous retrouvez. Voilà, hein, c'est pas moi qui vais le raconter, quand même. Non, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Non, mais il vous héberge quand vous êtes à la rue. En deux mots. Voilà, j'habite rue Marbeuf à Paris et Beverly Hills aux États-Unis. Je suis bien logé. OK. Et aux États-Unis, eh bien, effectivement, commence une autre carrière. Vous allez maquiller quand même le tout Hollywood. Oui, ben ça, c'est les Harrison. Les plus grandes stars, donc parmi les hommes, Harrison Ford, ouais. Oui, Harrison Ford, ouais. Frantique. Frantique, il m'avait proposé aussi de venir avec lui. Et j'ai dit non. Harrison Ford? Oui. C'était quand il est prisonnier. Et comment... Oh, le nom m'échappe. Il y a l'accident de train et en fait... Oh. Le fugitif? Fugitif. Hein, le voilà. Fugitif. Le fugitif. Vous êtes aussi sur Le Fugitif? Non. Ah, c'était le film qui était après. Et vous n'y êtes pas allé, vous? Non, j'avais d'autres choses à faire. Voilà. Eh ben oui, notamment ça, peut-être.
Oui. Au bout du compte, Didier Lavergne, c'est 130 films. Là, je n'ai mis qu'une partie de gros succès. Ghostwriter, Adieu Poulet avec Ventura, Le Dernier Métro avec Deneuve. Effectivement, La Vengeance du Serpent à Plumes, L'Ex de ma vie. Et parmi ces 130 films-là, j'en ai retenu trois qui sont vraiment, qui ont une importance particulière. On ne va pas en parler là, venez. Ciao Pantin. Venez, on va là. C'est... Alors ça, c'est le... c'est le top du top, mais... Alors, quand on me demande pour faire ce film, il y a déjà eu des essais de faits en Angleterre. Aux essais qu'on m'a fait voir, ça faisait Muppet. C'est-à-dire, ça faisait pas vrai. C'était injouable. Et ils m'ont posé la question, mais toi, qu'est-ce que tu ferais ? J'ai dit, je vais aller au maximum pour que ce soit crédible, mais si l'actrice accepte, il y a deux choses d'entrée. Je veux qu'elle accepte, sinon je ne fais pas le film. Parce qu'après, de toute façon, on est obligé d'utiliser des prosthétiques. Je veux qu'elle se rase les cheveux sur 1,5 cm devant, tout autour, et qu'elle se rase totalement les sourcils. Après, je pourrais faire des essais. Et elle a accepté, Marion Cotillard. Voilà. Et après, parce que ça, c'est le début. Parce qu'après, chaque jour, c'était combien d'heures de maquillage ? Pour celui-là, 4h30. 4h30. Et c'était tellement particulier... À 4. Et c'était tellement particulier, que c'était tellement un processus que si vous vous plantiez à bout de 2 heures, il fallait tout recommencer. Donc, faut que j'enlève et que je recommence tout du début. Donc, est-ce qu'on peut dire que pour une des premières fois de votre vie, il y avait une pression impressionnante sur ce film-là ? C'est infernal. Oui. C'est infernal. Il y a 250 personnes qui vous attendent pour travailler. Donc, on ne peut pas mettre 2 heures de décalage à chaque fois. Non. Et on peut dire que là, où ça passait, où ça cassait un peu votre... Moi, sinon, si je n'ai pas le truc, je suis... D'abord, vous maintenez... Il n'y a pas d'interview. Il n'y a pas d'interview. Je suis un baltringue qui a fait une carrière. On va dire qu'il a eu de la chance. Et puis voilà. Alors que... Bah oui. Un Oscar. Là, c'est toutes les stars mondiales qui sont devant vous. Vous êtes tétanisé. C'est un bon moment ou pas, alors ? C'est extraordinaire. Mais j'en profite pas vraiment. Et non. Parce que je suis tétanisé. C'est un peu... Là, je regarde Rick Baker en lui disant « Excuse-moi, toi, t'as fait un travail... » J'ai vu le travail qu'il a fait. C'était magnifique. Lui, tout ce qu'il a présenté, parce qu'avant, il y a un symposium, c'était un stand avec tous les produits, les machins. Moi, j'avais 3 photos de trucs de baltringue. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Mais je vous jure, quand j'ai dit... exactement la même attitude, mais quoi qu'il en soit, on va pas... Quand j'ai dit que j'avais eu que 15 jours de préparation, ils m'ont pris pour un mytho. C'est vrai que vous n'avez... En plus, c'est incroyable. L'Oscar. Ouais. Ça, c'est le premier film, remarquable. Ouais, ouais. Deuxième film, quand même, qui est un peu plus personnel. Ah ouais, là... C'est celui-ci. Vous savez pourquoi je mets ça, Didier ? Parce que c'est sur ce film-là qu'on vous apprend que... Ouais. Que vous êtes malade. Ouais. Ouais. Et en fait, La Môme, vous allez le faire en étant malade, ouais. Ce film. En ayant un traitement même dur. Ouais. Ouais. Là, je suis malade, hein. Sur Le Pianiste. Ouais, ouais, je suis malade. Et là, c'est 4 mois dur, hein. L'ambiance, elle est dure. Hein. Sur le plateau, dans ma tête, faut que j'assume. Hein. Roman, il n'a pas voulu me laisser tout seul. Il a dit, tu fais le film. Hein. Je me soignais par les plantes, là. Et aujourd'hui, vous... Je vais bien, là, ça va. Hein. Il n'y aurait pas les nouveaux médicaments, j'aurais dégagé, hein, déjà. On ne ferait pas l'interview. Et puis, j'ai mis ce film aussi, là. Alors, c'est votre avant-dernier film. Ouais, ouais. La Vénus à la fourrure, c'est 2013. Ouais. Et votre dernier film, vous allez le faire avec Roman Polanski encore. Oui, oui, oui. Hein, c'est d'après une histoire vraie. Ouais. En 2017, vous avez 68 ans, quelque chose comme ouais, ça. Oui, oui, oui. J'arrête. Ouais. Non, je fais pas ça. Peut-être qu'il aurait refait un film comme celui-là, j'aurais accepté. Mais J'accuse, c'est trop de travail. Est-ce qu'il vous a demandé sur J'accuse, hein ? Ah, mais évidemment. Ouais. Mais trop de travail sur J'accuse. Donc vous préférez venir là. Et c'est le dernier écran.
Bah oui. C'est pas la même, hein. C'est pas la même, hein. C'est chez vous, là. Ouais. Et c'est chez vous depuis beaucoup d'années, parce que vous avez découvert la Corse grâce à qui? À Claudine. Là, on est à Ajaccio. Ben, grâce à votre sœur et toute la famille, en fait. Toute la famille. Ici. Voilà, Claudine. Claudine, Alex Delanfranc, ses enfants, mon beau-frère, ma nièce, mon neveu, voilà. C'est là où vous passez plus de la moitié de l'année. C'est ah la non, raison. Non, toute l'année. Toute l'année, oui. Ah non, non, mais je bouge D'accord. plus. Je ne bouge plus d'Ajaccio. Donc, bon. On a bien compris qu'Alexandre Delanfranc, il a épousé votre sœur, dont vous avez parlé tout à l'heure dans la première partie. Oui. Et effectivement, vous avez ramené toute la famille en Corse. Oui. La preuve. Ma mère. Eh oui, ma votre maman. Ma mère, que j'ai amenée. Qui est décédée ici, d'ailleurs, oui. à l'âge de 92 ans. Oui, oui. Hein? Oui, oui, elle est décédée ici. Et voilà, je crois qu'elle n'aurait pas duré aussi longtemps si elle n'était pas venue là. Elle habitait dans ma... Bon, ben ça, c'est ma fille. Ma fille avec Emmanuel. Elle qui a repris le flambeau. Elle a repris le flambeau. Votre fille Anaïs. Hein? Oui, Anaïs. Qui est maquilleuse, elle aussi. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je les adore. Votre autre fille. L'autre Océane. Fille. Ah ben, elle est avec. Hein. La caméra. C'est son métier. Et puis la dernière photo. Laurent Daillon, son chef opérateur avec qui elle travaille tout le temps, pratiquement, voilà. Et puis la dernière photo, on va finir avec cette photo. C'est déjà une passion. On voit pas vraiment, mais les poissons, ils sont grands comme ça. J'étais pêcheur et très fier, avec ma sœur, Claudine, à côté. Quand vous voyez cette photo, Didier, qu'est-ce qu'on se dit? C'est la mise en abîme de la fin de l'émission. Hein. Est-ce que vous imaginiez avoir cette vie? Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit jeune? Je n'ai jamais pensé être maquilleur. Je penserais chez un peintre ou un sculpteur ou un décorateur ou vous voyez quelque chose pour moi qui était plus concret. Et là, maquilleur, c'est la surprise de ma vie qui m'a embarqué et qui m'a fait rencontrer des gens fantastiques que j'ai adorés et je les remercie quoi parce que c'est une chance énorme de vie. On finit cette émission avec un selfie. Vous ouais. faites un beau sourire. Ouais. 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 Merci infiniment, Didier. Ça a été un véritable plaisir, une véritable découverte. Aussi. Moi aussi. On se retrouve du côté du Trotel. Oui. Pas loin. Hein? Au bureau. Et on poursuit la conversation. Oui. Allez, au revoir. Parce que j'ai d'autres anecdotes.